Oh, et tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sauter, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un hélicoptère. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de 4 turbines. Vous aurez besoin ensuite d'un glisseur et d'un gouvernail. Vous aurez besoin d'un autre glisseur, un autre glisseur. Alors là, on peut utiliser probablement quelque chose d'autre. Comme ceci, ça pourra faire l'affaire. Puis après, on va reprendre. Alors, j'ai pas de bout de bout. Allez, on va prendre ça peut-être. Ça pourra marcher. Donc, je vous le fais avec vous d'un autre style parce que j'ai pas tous les éléments. On a des petits bouts de bois à avoir, des petites planches. Donc, moi, je les ai pas. Et je sais pas du tout comment les récupérer, celles-ci. Mais bon. C'est pas super important. En tout cas, il y a un autre truc, c'est les hélices. Et ça, je vous ai fait une vidéo pour les avoir. Et il me semble que c'est dans un sanctuaire ici, là. Enfin, je sais plus c'était lequel. Mais il y a un sanctuaire où vous pouvez tout simplement avoir des hélices. C'est le sanctuaire, je sais plus. Mais j'ai fait une vidéo secret. Pour vous montrer comment les avoir, les secrets, les artefacts sona. Voilà, j'ai déjà une hélice, donc tant mieux. Bon, je vais quand même me renseigner pour vous faire quand même une vidéo assez correcte. Alors, du coup, c'est dans ce sanctuaire là, vous allez tout simplement pouvoir avoir une hélice. Donc, normalement, il n'y a pas de batterie, mais moi j'avais rajouté la batterie, donc on va le faire avec. Donc je vais vous montrer au pire un screen aussi à l'écran du comment un créateur de contenu, donc c'est Supreme Tortilla, l'a fait. Et voilà, donc celui-là sur ce côté, ça on va le mettre un peu penché par contre. Ah ouais, il est un peu penché mais pas trop, donc en vrai ça va marcher quand même je pense. Ensuite, on va prendre ça. On va prendre ça. Ça, 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 ça. Et du coup lui il a fait dans ce sens là, donc on va faire... pareil, hein, même si vous pouvez faire dans l'autre sens, je pense. Dans tout le cas, ça n'a pas d'impact. Et ensuite, mettre ça comme ceci. Alors, un peu plus devant, par contre. Ok. Ensuite, du coup, le dernier. Parfait. Voilà, donc là vous avez déjà la forme, vous avez déjà l'idée. Ensuite du coup, vu qu'on n'a pas de truc rond fin, on va utiliser ceci. Avec, alors je sais pas comment c'est déjà les hélices, je vais regarder et... Ah ouais, lui du coup, pour faire son hélice... Enfin, son truc derrière, il utilise ceci et un stabilisateur, enfin un tramponneau. Donc ceci. Ah, du coup, on va faire la même. Ensuite, du coup, on va réutiliser un pieu quand même. Celui du coup il utilise une planche en haut. Voilà. Et il utilise du coup ceci. Bon, je sais pas comment ça se fait que ça tourne, ça pivote. Ah oui, c'est comme ça, c'est logique.
Et ensuite, du coup, il manque ceci. Alors, il faut juste... Ok. Ça va être assez compliqué. Au pire, j'utilise un pieu pour les stabiliser. N'empêche, sans tous les éléments, vous pouvez malgré tout faire un assez bon hélicoptère. Alors lui, je suppose qu'il va pas trop marcher. Il aura un peu de problème, logique. J'ai rajouté des trucs complètement différents et plus lourds. Alors que le bout de bois c'est beaucoup moins lourd, mais vous avez le style et du coup le tuto comment le faire. Donc bien sûr reste à vous malgré tout de chercher certains éléments. Je suis complètement désolé, mais ouais, les éléments je les ai pas. Ça va pas s'envoler donc j'espère au moins vous avez compris. Regardez quand même le design, au pire on aura réussi au moins à faire un peu le design. Il reste juste ça à mettre bien en place de façon comme ça à peu près. Ouais, vous avez compris. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé encore du coup de pas avoir les bons éléments. Dans les commentaires, il y aura sûrement des personnes qui vont chercher les mêmes éléments et qui vont peut-être vous dire si vous avez trouvé et qu'il n'y a aucune information dans les commentaires. N'hésitez pas à le dire parce que voilà, on s'entraide dans cette communauté. Parfois, vous m'aidez, des fois, pas la plupart du temps, mais je vous aide aussi avec mes vidéos donc. Donc voilà, on fait des échanges mutuels, donc c'est super cool, notamment sur le Discord où vraiment on s'aide beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est tout, donc la prochaine. Allez, ciao.